oui, on va clore donc ce 17e rassemblement à Notre-Dame-des-Landes. Beaucoup de débats, beaucoup d'idées. J'espère que vous avez pris les contacts pour pouvoir continuer à la fois la lutte là où vous êtes, que vous avez pris aussi les contacts pour essayer aussi de voir un avenir meilleur, que vous avez pris les contacts pour pouvoir aussi vous battre chacun dans vos syndicats, dans vos luttes, chacun pour vraiment les construire ensemble et pour pouvoir avoir un pouvoir, un réel pouvoir ou contre-pouvoir pour gagner nos luttes. Eh bien, c'est fini. C'est ça qui est dommage. Il reste une petite... Il reste une partie festive hein, qui va nous emmener jusqu'à 21, 22 heures. Et puis on va plier en même temps. Et puis demain, ça sera, on rendra ce chant à Brigitte et Sylvain, qu'on remercie aussi beaucoup parce que grâce à eux, on a pu faire ça. Merci. Ben, je ne vais pas nommer tout le monde parce que les 800 à 1000 bénévoles qui viennent tous les ans donner un peu de leur temps. Pour que cet événement se passe bien, pour que vous soyez à l'aise, que vous avez le temps, même vous, de vraiment prendre conscience et de pouvoir discuter, de pouvoir débattre pendant ce temps-là. Eh bien, merci à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps à construire cet événement. Comme je le disais, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, elle s'arrêtera bien sûr avec l'arrêt du projet d'aéroport, mais elle s'arrêtera d'autant plus quand on aura trouvé, nous, ce qui nous va ici à Notre-Dame-des-Landes. Et ça, c'est ensemble qu'on va le construire ici à Notre-Dame-des-Landes. On vous tiendra au courant sur ce qui se passe ici, sur nos débats, sur nos... Vraiment, on a un gros travail encore à faire dessus, même si ça fait des années qu'on est déjà en train de travailler dessus. Mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant sur ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. C'est grâce à vous aussi si on gagne à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est aussi grâce à Notre-Dame-des-Landes qu'on aura un espoir de gagner partout ailleurs. Bon, ben voilà, les totems vont rester, on l'espère, un moment pour attester de votre présence, pour attester de votre détermination et de la nôtre pour poursuivre. Voilà. Donc là, on va avoir une trace, j'espère, pendant longtemps. Et puis, eh bien, il y aura d'autres rendez-vous. Le rendez-vous de la victoire, le rendez-vous de la deuxième étape. Hein, bon, ben, Dominique vous a expliqué ça très bien. Et il paraît qu'on ne lâche rien. Eh bien, voilà. Et surtout, merci à vous. Et ce bois ne me reste-t-il plus de place pour les mois où l'oreille tendue. Mais je sais qu'il est important. Tant pis de refouler le soleil au chaud.